Ouais, bah voilà, le truc que je voulais 80. Pas. J'ai pris un peu le R, mais voilà. Virage épingle gauche 80. Ah bah chier, putain, maintenant je suis mal. Et salut tout le monde, c'est Burry Race. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dirt Rally. On est sur la ligue Burry Race. Et on va enchaîner avec... on est toujours sur l'épreuve 2 et on va enchaîner avec l'étape 2 et l'étape 3 dans cette vidéo. Donc pour l'instant, étape 1, j'ai réussi à être premier. On va aller réparer le véhicule hein, parce que j'ai fait un peu de dégâts quand même. Voilà. Ouais, certains trucs ne seront pas totalement réparés, mais bon, ce serait déjà mieux que rien. Elle sera pas neuve. Et en plus, je ne pourrais pas la réparer pour la troisième étape. Mais il va falloir faire très gaffe. Surtout que Raph a fait des très bons chronos. Et ça va être compliqué de faire. Déjà, faire mieux que lui, ça va être compliqué. Mais de le battre, ça va être encore plus compliqué. Mais bon, pour l'instant, j'ai 10 secondes d'avance sur le premier. Et je crois 24 secondes sur Alex. Donc, on verra bien. On verra bien, on va commencer déjà l'étape 2. Qui est Val d'Abstieg. Donc c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go. Prudence, virage gauche, 1 sans couper, s'ouvrir, 100. Oula. Attention, je suis capturé, entrée droite, 150. Attention, je suis capturé, entrée gauche, 200. Prudence, virage 90 degrés, droite, sans couper, poids lourd à la sortie. 60 crêtes. Après jonction. Droite 3 sans couper. 100 en descente après jonction. Gauche 5 ferme sur 3 sans couper 60. Droite 3 s'ouvre long après jonction. Ah ouais, elle est pas neuve donc du coup. Descente. C'est pas les mêmes sensations. Virage 90 degrés droite sans couper 80. Gauche 5 long sans couper 150. Je vais concentrer un peu mieux. Attention, virage droite 2 sans couper, virage immédiat gauche 4 sans couper. 150 après R de repos. Droite 5 continue 100. Attention, virage gauche 5, les verts, négatif, milieu à la sortie, après jonction 80 crêtes. Gauche 4 sur crête sans couper 80. On sent qu'il n'est pas bien le véhicule quand même. Droite 6 sans couper 80. Bosse, descente droite, 3 sans couper après jonction. Gauche 6 après jonction sans couper. Descente. Droite 5, 60 après jonction, 80 crêtes. Virage gauche 2 sans couper. 100. Attention, freinage, virage épingle droite sans couper. Virage gauche serré sans couper, 150. Crête après jonction. Gauche 5 sur droite, 5 sur crête. Attention, gauche 5, long freinage par portail. Virage droite, 3 sans couper. Droite 5, ferme sur 4, dans descente. Gauche 4 sans couper, s'ouvre long. 80. Attention, épingle gauche, descente. Droite, je suis pas à l'aise. Descente. Je suis pas à l'aise du tout même. Je sens que la caisse elle est pas à son maximum. Gauche 6,80. Droite 6,80. Prudence, droite 4 rochers à la sortie. Gauche 5, 100 en descente. Attention, freinage, épingle gauche. Descente. Épingle droite sans couper, 200. Gauche 5 sur crête trooper sans descente. C'est juste que j'évite de faire des gros pets, c'est tout. Attention, freinage, virage, épingle droite sans couper, 80. Ah, du mal à tourner quand même. Crête 80, droite 6, dans descente 100. Attention, serré à gauche dans jonction, possible saut. Milieu rocher à la sortie.
descente en descente, droite. J'étais pas au maximum, mais j'ai essayé de faire le moins de dégâts que possible. Ouh là là. Je m'en sors bien quand même. Allez, replay direct. On va voir ce que ça a donné. Ah, déjà j'ai fait. Attention, chicane serrée, entrée droite. Je sais pas ce que j'ai foutu en fait. J'ai voulu aller trop vite, tourner trop vite. Là, j'ai un peu poussé, mais légèrement. Pas grand chose. Ah, ça va, je l'ai bien pris. Prudence, virage 90 degrés droite. Les chicanes, c'est pas mon délire, mais ça va, je commence à aller bien gérer quand même. Elle a l'air con quand même sans pare-choc arrière. 5 fermes sur 3 sans couper 60. Alors je sais plus si où j'ai fait les petites erreurs, mais. Déjà ici, elle est une toute petite. Ouais, normalement à cette vitesse j'aurais dû. C'est non, j'aurais dû. Virage 90 degrés. Réussir bien le virage, je sais pas, j'ai pas bien réussi, j'ai pas compris. Je pense que l'état du véhicule doit jouer quand même. Pourtant elle est pas si démolie que ça, ouais. Mais bon. Virage droite 200 coupé, virage immédiat gauche 4 sans couper. 150 après R de repos. Attention, virage gauche 5, les verts négatifs. Gauche 4 sur crête bah, sans pareil, couper 80. Ah, c'est des petites erreurs, mais bon. C'est pour ça que ça va me coûter. Ça me coûte des secondes, mais je pense pas que. Je pense que j'ai réussi à faire premier. Mais bon, on verra bien. Droite 5, 60 après jonction 4. Malgré que j'aurais pu rouler beaucoup mieux que ça, encore une fois. Virage gauche 2 sans couper. Moi, j'aurais roulé parfaitement, je vous le dirai. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, parfaitement, c'est prendre des trajectoires parfaits, sans toucher l'air, rien, et sans faire de pète. Ça, c'est parti. Là, c'est pas le cas. Et ça va, j'ai quand même bien roulé. Crête quoi, c'est que j'ai pas fait de pète. Gauche 5 sur droite 5 sur crête. Par une ou deux petites erreurs. Attention, ça. Gauche 5, lance freinage par portail. Virage droite 300. Gauche 400 coupé. Ah oui, celle-là aussi. 80. C'est les erreurs que je vais pas faire l'entraînement. Attention, épingle gauche, descente. Le véhicule était neuf aussi, peut-être pour ça. Je le saurai jamais de toute façon. Je sais à cause de ça ou pas. Droite 6, 80. De toute façon, si j'ai gagné un peu de temps encore une fois dans cette spéciale, dans cette étape, je pense que l'étape 3, je vais aller. Je vais pas me donner à fond, je sais de gérer sans trop la casser. Il n'y aura pas d'atelier, je pourrais pas la réparer. Attention, freinage, virage, épingle droite sans couper 80. Ah, là aussi j'ai eu un peu peur, mais ça va, j'ai quand même réussi à gérer. En fonction, possible saut, milieu rocher à la sortie. Ah, ça va, j'ai bien géré. Donc, il n'est pas évident de virage. Hein. Bon, ben voilà. Ah ouais, pouh là là, 1 seconde 8 seulement d'avance. Pouf. Ah oui, c'est serré là. Je vous ai dit que ça allait être serré. Toi, j'aurais pu mieux faire quand même. Mais bon. Même si j'aurais mieux fait, je pense que ça aurait pas dépassé les 5 secondes d'avance. On va voir sur Alex ce que ça donne du coup. Alex qui est toujours 3ème. Ah ouais, 58 secondes. Bon, Alex il a perdu beaucoup de temps. Parce qu'il me semble qu'il a eu. Je sais plus c'est à quelle spéciale il s'est tué. Je sais pas si c'est celle-là ou pas. Je sais que les 3 premiers là, il a pas fait quelque chose d'exceptionnel. Mais bon. Ça doit pas être facile à gérer non plus. La 306 elle est assez nerveuse. Bon bah du coup on va enchaîner avec la troisième étape et la dernière étape de la vidéo. Et l'étape 4 et 5 je la ferai lors de la prochaine vidéo. Donc on va enchaîner avec la troisième étape qui est une étape qu'on a déjà fait d'ailleurs lors de la première épreuve, c'est Hammerstein. Qui est
une spéciale longue. Donc une étape longue, mi-journée dégagée comme la première épreuve. Encore voir ce que ça donne. Je l'avais plutôt bien géré, on va dire, lors de la première épreuve. On va voir si la deuxième épreuve j'arriverai à faire mieux. Du coup, j'ai pas vu quoi de seconde d'arrangée. Ah, je dois avoir 11 secondes, un truc du jour. C'est pas grave. 11-12 secondes, un truc du jour. Bon, du coup, ouais, on va essayer de gérer. Pas faire de pète. Allez, let's go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Gauche 6, 80 dans descente. Virage droite 3, semi-long sans couper. 60, crête, attention, virage droite 1. Serré à droite sur crête. Virage gauche 1 sans couper. Crête, virage serré droite dans descente sans couper. Prudence droite, 4 semi-longs, virage 90 degrés gauche immédiat sans couper. Gauche 6. Virage si droite, comme ça tout le temps, c'est parfait. Virage épingle gauche sans couper. Pas de problème. 60 crêtes. Droite 1 sans couper. 100 dans descente. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai tellement qu'il y a un peu de. L'accélération. Serré à gauche sur crête après jonction 80. C'est qu'elle est pas neuve. Attention, c'est qui délire, mais... 90 degrés gauche, immédiat sans couper, corps, rocher à la sortie. 80. Oh la vache. Virage gauche, 3, putain, 80 chaud. Après jonction 100. Serré à gauche sur crête. Je sens qu'elle est, je sais pas, je sens qu'elle est pas tonique la voiture. Mais il manque un truc. Attention, serré à gauche sur virage droite 1 sans couper. 60 dans descente. Droite 5 long sans couper. Virage épingle gauche sans couper. S'ouvre 100. Crête 300 dans descente. Prudence, virage 90 degrés gauche sans couper, descente 80. Virage droite 1 sans couper. Je pense pas terminer premier dans cette étape, mais. Je veux vraiment pas essayer de l'abîmer pour essayer la réparation. 80 descente. S'il y a possibilité de la réparation, virage gauche 1, 80. Ça m'aiderait crête pour les prochaines étapes. Crête, ça m'aiderait beaucoup. Virage gauche 1, immédiat trompeur, portail à la sortie. Donc c'est clair, je vais pas prendre de risque. 100. Sûrement perdre du temps, 80. Mais c'est pas grave. Moi je ferai pas de pète. Moi je limiterai les pètes le plus possible. 100 dans descente après jonction. Prudence, crête, virage, épingle ouverte, droite, immédiat sans couper, 80. Attention, gauche 6 après jonction, virage, 90 degrés, droite, immédiat sans couper, fossé à la sortie après jonction. Gauche 6, 80. Virage, 90 degrés, droite. Virage, 90 degrés, gauche. 80 après jonction. Gauche 480, attention crête virage, gauche 6 sans couper, fossé extérieur 100. Virage droite 1 sans couper, corde rocher à la sortie montée. Droite 5, continue sur 100. Gauche 5, continue sur 150 sur crête. Virage épingle droite sans couper. Gauche 5, long. Virage épingle ouverte, gauche sans couper. Serré à droite sur crête 100 en descente après jonction. Droite 6 sur crête, attention freinage virage, gauche serré sans couper. Virage gauche 4, 250 dans descente. Virage épingle droite sans couper s'ouvre. Virage droite 3 sans couper. Gauche 6 long et virage droite 4. Virage gauche 4 80, crête 80. Droite 6 descente, gauche 6. Droite 6 80, attention saut après jonction 100. Après jonction. Attention freinage, virage serré droite.
J'ai légèrement des risques là, mais bon, pas que je prenne des risques dans le secteur. Hein. Parce que je le maîtrise bien. Virage droite 1. Virage droite 1, fossé extérieur étroit, sans en descente après jonction. Sans sur crête. Sans. Attention, serré à gauche sur droite 5, virage 80 degrés, immédiat sans couper. Ouais, bah voilà, le truc que je voulais 80. Pas. J'ai pris un peu le herbe et voilà. Virage épingle gauche 80. Ah, bah chier, putain, maintenant je suis mal. Virage épingle gauche sans couper 80. Bordel. C'est rien, c'est que dalle. Virage 90 degrés, droite sans couper. Virage serré gauche sans couper. Virage droite 4, semi-long. C'est que dalle, mais... ça va perdre des secondes, ça. 4 à 5 secondes, facile. Virage droite 1 sans couper. Bien, c'était correct jusqu'à maintenant, il faut que je fasse. Virage droite 1 sans couper. Gauche 5 continue sur 4 secondes. Trop l'adrénaline qui a pris dessus. Droite 6 et crève 500. Je crois que je vais m'en vouloir. Je suis bête de merde. Surtout pour les prochaines étapes, à mon avis. Attention, freinage, virage droite, 1 trompeur. On verra bien. On verra bien, on va virage faire droite, ça. Virage droite, 3 sans couper, descente corde rocher à la sortie 100. Ça aurait été un bon truc, à part ces deux petites erreurs. Enfin, cette petite grosse virage erreur et gauche, la petite erreur, la petite glissade. Mais bon. Oh, le pneu, ça va. Oh, le pneu, oui, ça va, ça va. 6,27, oui, ça va. Je pensais faire plus, mais non. Allez, ralenti. Bah, hormis ce petit, petit accident sur le. C'est la botte de foin. Ce truc là. Cette boule. Cette boule de foin. Ça va. C'est quand même plutôt. Plutôt bien roulé. Il semble pas trop de prendre de risques. Surtout au début, je voulais que ce soit correct. Prendre des bonnes trajectoires. Sans me péter la gueule. Plutôt content. Plutôt content. Mais encore une fois, c'est pas parfait. Serré à gauche sur crête après jonction 80. Là, c'est vrai. C'était magnifique ce que j'ai vu. Je pensais que j'allais le faire trop tard, mais non, ça va. Serré à gauche sur crête. Je pensais qu'il allait pas, il allait pas se faire. 3, 5, mais... continue sur 100. Attention, serré à gauche sur virage droite 1 en fait. Sans couper. J'ai bien roulé quand même. Les 4-5 premiers secteurs, j'ai vraiment bien roulé. J'ai commis aucune erreur quasiment. Même aucune, je dirais. 300 dans descente. Ce n'est peut-être une erreur de trajectoire, mais. Prudence, virage, 90 degrés gauche sans couper, descente 80. En tout cas, je vois aucune erreur pour l'instant. Prudence, virage gauche 1, 80. Je me suis pas mis de pression, c'est peut-être pour ça que je voulais bien en fait. Virage gauche 1 sans couper. Je savais que j'avais pas besoin d'aller à fond. Quand tu sais que t'as pas besoin d'aller à fond, tu roules mieux. Enfin, du moins, tu fais moins d'erreurs. Mais peut-être tu perds un peu de concentration quand même. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure d'ailleurs. Putain, ouais, je me suis arrivé. C'est pas la meilleure trajectoire que j'ai fait, mais je me suis bien rattrapé.
comprends pourquoi je me suis tué. Même si j'ai un peu compris, je pense que j'ai touché un peu l'herbe, il me semble. Bah, c'est sûr, non? Gauche 5, continue sur 150 sur crête. J'aurais bien voulu ne pas toucher les bottes de foin. Virage épingle droite sans couper. Écoutez, vaut mieux toucher les bottes de foin que se manger 15 secondes de pénalité. Parce que 15 secondes de pénalité, ça fait bloquer. Ah, jusque là c'était parfait. Hein. Jusque là c'était parfait. Il faut clear. Hein. Ah, il y a un manche à arriver. Comment on peut aller? C'est où? C'est ce secteur-là. Non, c'est pas ici, mais. D'ailleurs, je l'ai bien pris celui-là aussi. Bien aimé comment je l'ai pris celui-là. Virage épingle droite sans couper s'ouvre. Impeccable. Et je crois que c'est ici, je crois. Je suis arrivé comme des, comme un blindé. Ici, j'aime bien le secteur ici. Je vois assez vite. Droite 6, 80, attention saut après jonction 100. Après jonction. Je pense que là j'ai commencé à avoir une montée d'adrénaline. Et du coup j'ai perdu un peu de concentration, je pense. Ouais, voilà, c'est là. Ah oui, ouais, j'ai pris une bosse. Je viens de voir, ouais, j'ai pris une bosse. Là, je suis reparti assez vite quand même. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas perdu beaucoup de secondes. Pingle gauche 80. Et juste derrière, là aussi j'ai touché, j'ai fait l'un. D'abord, je perds pas tant de secondes finalement. Ça doit jouer entre 3 et 4 secondes peut-être. Et si j'aurais pas perdu ces secondes là, j'aurais fait un sacré 3. Là. J'aurais fait 6-23, un truc du genre. Au moins. Mais bon, virage droite, arrivé ce qui est arrivé, on n'y peut rien. Je suis un humain, je fais des erreurs, comme tout le monde. Bon après ça va, je l'ai quand même bien terminé aussi, j'ai fait aucune erreur. Ah, il y avait juste deux erreurs en fait. Virage serré gauche, sans couper. Une qui m'a causé encore des dégâts. J'espère vraiment que c'est le même côté que la dernière fois. J'espère que ça a pas joué quand même. Oh là là là. Et regardez-moi ces secondes. C'est même pas des secondes, c'est des... dixièmes de seconde, 433 exactement, sur la Volkswagen de Raph. J'ai encore gagné là j'ai pas gagné des secondes, j'ai gagné des dixièmes de seconde. Et encore une fois, je vous ai dit, ce serait très serré, très très serré. Et d'un côté, ça m'énerve, je me suis pété la gueule parce que j'aurais pu gagner des secondes encore sans me casser la gueule, j'avais fait presque parfait. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on va voir le classement après ces trois étapes. Donc toujours en tête avec 12 secondes d'avance sur Raph et Alex qui s'éloigne malheureusement à 1 minute 17. Ça va être dur pour lui, très dur. Mais bon, il a déjà fait sans les étapes, mais bon, je sais ce qu'il a fait, mais je sais qu'il s'est rattrapé lors de l'étape 4 et 5. Donc on verra. Rien n'est joué encore, rien n'est joué. Bon ben voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo sur l'étape 2 et 3 de l'épreuve 2 en Allemagne. Il ne restera donc plus que deux étapes à faire, l'étape 4 et l'étape 5. Et l'étape 4, ça sera Rüschberg et il fera nuit. Et ça va pas être de la tarte. Non, ça va pas être de la tarte. Et ensuite, on ira à Flugzeugring Reverse, matin dégagé.
Donc voilà, on finira par un petit sprint. Alors déjà le véhicule, comment il est, il est un peu abîmé quand même. Pas beaucoup, mais ouais, un petit peu quand même. Il sera moins performant que... Je vais juste regarder si je pourrais le réparer lors de la dernière étape aussi. Parce que si c'est encore une fois la même chose que l'étape 2 et 3, que l'étape 3 je pourrais pas la réparer. Donc l'étape 5 au final, ça sera un peu chiant. Ouais, donc je pourrais pas le réparer lors de... Je peux que le réparer maintenant, donc étape 4, étape 5 je pourrais pas le réparer. Ok, bon bah c'est pas très grave. Avec hein. Bon, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouvera pour la suite très prochainement. D'ici ça, il m'a pris, il me reste quoi, il reste samedi dimanche, donc il reste plus que deux jours, sûrement demain pour la suite. Donc voilà, donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.